Vous pouvez ouvrir la porte peut-être. Vous le vous parer à travers les barreaux. Il n'y a pas seulement là, hein. Un bisou, hein. Bon alors. Alors. Oh ben, il y a encore beaucoup de gens à convoquer la journée. Ah d'accord. En plus, il y a des gens qui ne sont pas du département médical, donc les étrangers. Dans un délai, parce qu'après tout est transmis au ministère public, et dans un délai raisonnable. Non, comme ça. C'est quoi le reproche exactement? D'avoir participé à un rassemblement interdit, c'est plus non déclaré. Interdit. À l'hôpital. C'est interdit. Ah oui, interdit. Elle n'était pas déclarée. Et là, oui, ben. Alors moi je n'y étais pas. Je ne peux pas dire que j'y étais si j'y étais pas. Donc voilà. Donc le reproche, la convention, c'était rassemblement, participation à un rassemblement interdit dans un endroit sous. Pandémie Covid, voilà. Donc, avez-vous participé? Non, ben, je ne peux pas. Voilà. Mais pourtant, votre voiture était. J'ai dit, ben oui, parce qu'on a eu la même voiture, mais votre mari était. J'ai dit, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, je ne peux pas répondre à sa place. Hein, Il suit. Après, alors, il y a un truc intéressant quand même, a dit. Savez-vous qui était organisateur? Non. Savez-vous pourquoi c'était ce rassemblement? Oui, je crois, c'était en soutien au personnel soignant et au service public hospitalier surtout. Et voilà. Connaissez-vous le groupe CNT ou est-ce que c'est des amis? Ah, ça y est. Alors, j'ai dit. Alors, je réponds. C'est un syndicat, CNT. C'est un syndicat, la CNT. Et je suis syndiquée à la CNT. Avez-vous autre chose à déclarer? Ben non. Je lis mon audition, il y a matinée, il y avait marqué. Connaissez-vous la raison du rassemblement? Oui, c'était. Ben, je crois que c'était ma réponse. Et. Tout de suite après, je suis syndiqué à la CNT. Je dis, mais quoi, pourquoi je n'ai pas dit ça? C'est vous qui m'avez posé la question. Moi, je n'avais aucune raison de dire ici et maintenant que je suis syndiqué à la CNT. Donc, alors, il y a un plantage, c'est ça qui a été long, parce que moi, j'avais tout le monde. Il a fallu changer le carbone. Il y a eu un plantage d'ordinateur, donc elle a récupéré mon frère. Voilà. Donc, elle a réécrit, parce que moi, c'est pas des banques, j'ai dit oui, c'était pour les serviteurs. Je suis syndiqué. Ah bon. Moi, j'ai répondu à aucune question. Voilà. Je suis passé en décembre, j'ai répondu à aucune question. Après, chacun fait comme il le sent. Vous n'entendrez plus le son de ma voix. C'est ce que j'ai dit. Une vente de l'osier, je crois. C'est pareil que pour le verbeur. Alors, c'était pour. La charge, voilà. Rassemblement interdit. Voilà. Interdit carrément. Vous avez interdit, est-ce que les organisateurs ont été prévenus officiellement? Est-ce que vous avez la notification du préfet? Moi j'avais rien bien sûr. Et puis après moi j'ai déclaré que j'étais effectivement présent, c'était pas une manifestation, c'était un rassemblement pour la défense des services publics et contre les mesures liberticides. Voilà, donc on m'a posé d'autres questions, savoir si je faisais partie d'un syndicat, et puis j'ai rien déclaré. Hors micro, je me suis insurgé contre ce situation. Et puis voilà. Du commissariat d'Aubenas, l'équipe du commissariat d'Aubenas, c'est rassemblement interdit. Alors, le commissariat d'Aubenas, nous sommes jamais dit interdit. Et la pandémie n'a jamais été non plus. S'il est interdit, il fallait qu'il y ait un arrêté. Il y a un arrêté préfectoral. On n'aurait pas intérêt à faire, nous, organisation appelant ce rassemblement aujourd'hui, à faire un communiqué de presse, puisqu'en plus il y a la presse, par rapport à ces soi-disant manifestations interdites. Il n'y a eu aucune manifestation interdite à Aubenas. Strictement aucune. Ouais.
Ou nous, même de, si elles ont, ou nous si demandons, dans ce cas, au service public d'Europe, il n'y en a aucune qui a été interdite. Donner l'arrêté. Non, non, mais c'est important. Oui, tu as raison. Sur le coup, ça reste. Dans les, elle, elle, elle m'a dit, je ne crois pas volontiers, je veux dire, c'est... Moi, ça me dit, c'est le commissariat de Benac. Non, mais il faut demander s'il y a eu un arrêté. Bon, bah, on va faire une proposition et puis on la fera tourner à toutes les organisations. Il ne faut pas qu'on fasse. En fait, en fonction du temps qui passe, oui, ça devient, oui, les lois qui veulent.